Bordel, non mais franchement, hein, c'est dangereux de faire des choses comme ça, Marvel. Vaut mieux pas être cardiaque. T'es tranquille en train de faire cuire tes pâtes et bim, un nouveau trailer d'Avengers Endgame. Bon, quoi qu'il en soit, vous êtes sûrement comme moi ultra hypé et encore plus après ce que l'on a vu. Si vous êtes des habitués de la chaîne, hein, vous le savez, et si on rentre directement dans le vif du sujet, on ne perd pas de temps. Et dans notre cas, l'analyse du second trailer d'Avengers Endgame va être très cool, probablement l'une des plus longues que j'ai pu faire. Bref, faisons ça par ordre chronologique. Au début, Tony Stark est toujours coincé dans le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, ça à la limite on s'en doutait un peu. Comme il ne pense jamais s'en sortir, il enregistre un message vocal sur son casque, relatant ses faits passés, mais surtout son amour pour Pepper, en qui le message est destiné. Et petite parenthèse, la phrase « je sais que j'avais dit plus de surprises, mais j'espérais vraiment pouvoir t'en faire une dernière », elle m'a mis la larme à l'œil. C'est en gros une manière de dire qu'il avait promis qu'il n'y aura plus de surprises, mais il aurait bien voulu rentrer pour lui en faire une. On découvre donc des scènes de Iron Man 1, comme son armure qui se crache dans le désert, et je trouve que ça a une symbolique assez folle derrière ça. Montrer que ça va tout clôturer un MCU actuel. Et après, c'est encore plus triste puisque c'est Peggy Carter qui semble donner la voix. Alors c'est vraiment possible que je me trompe et je vous le dirai dans les commentaires si c'est le cas, mais je crois bien que c'est ça, et je suis pas le seul à m'être posé la question sur Twitter. Dans le précédent trailer, on a pu voir que Captain America l'avait en photo toujours avec lui. Elle aura, à mon avis, un petit rôle dans le film. Alors je dis pas forcément qu'elle va combattre Thanos, hein, faut pas déconner, mais comme Avengers Endgame va clôturer trois trilogies, celle de Thor, Iron Man ou même Captain America, et bah il est normal de faire allusion à des personnages passés, et en l'occurrence, bah à Peggy Carter. De mon côté, s'il y a un truc que je kiffe, ce serait génial, c'est au moins une danse entre Steve et Peggy. Je sais pas vraiment comment ce serait possible, à moins qu'il meure, mais ce serait très beau. Cependant, elle dit aussi une phrase qui, en plus d'être dramatique, est très intéressante, « Parfois, il faut recommencer ». Est-ce un moyen de nous dire « Eh oui, ils vont retourner dans le passé régler les problèmes avant qu'il n'ait eu lieu ». Je crois bien. Alors c'est vrai que ça semble un peu trop évident, mais la question se pose. Dans un même temps, on peut voir aussi que Hawkeye entraîne une jeune fille au tir à l'arc. On suppose que c'est sa fille, mais on le sait pas vraiment. Au vu de la scène, je pense que ce sera un sort de flashback, hein, je vois pas trop comment ça pourrait se placer autrement. À moins que ça soit la toute fin du film. On sait jamais. Mais alors là, on n'est pas du tout dans ce qu'avait dit Kevin Feige, comme quoi les visuels ne montreraient que le début. Et d'ailleurs, à ce sujet, quand le boss de Marvel Studios disait que les trailers ne montreraient que les 15-20 premières minutes, je pense que c'était surtout un moyen de dire le début. Parce que honnêtement, s'il y a autant de choses en si peu de temps, faudra pas cligner des yeux, ce serait chaud. Enfin bon, pour en revenir à Hawkeye, hein, c'est peut-être un moyen de teaser Kate Bishop. Dans les comics, c'est un peu la relève du perso. De plus, il y avait des rumeurs d'un projet Marvel sur un Hawkeye entraînant un autre perso, nous verrons. Sans parler des rumeurs sur un certain Young Avengers. Bref, à mon avis, cette fille, on va la revoir. En tout cas, je persiste à supposer que s'il devient Ronin, c'est que sa famille fait partie des victimes du claquement de doigts. Je ne vois pas quel autre événement pourrait le pousser à devenir comme ça. Tout quitter, devenir sanguinaire, pas s'il a encore une famille. En plus, ça se voit au regard de Natasha qu'elle est triste de ce qui lui est arrivé. Et j'ai vu aussi pas mal de gens me dire que les deux vont finir ensemble. Alors ça serait extrêmement surprenant, même pas très logique. À mon avis, c'est ce qu'on a vu dans les autres films, c'est une relation fraternelle qui lie les deux. Bon, on s'enchaîne ensuite plein de scènes des précédents films Marvel, ça va de Thor à Captain America, en passant par le final Infinity War. Tout ça pour dire que le plan suivant est intéressant, parce que Black Widow change de coupe de cheveux, ils sont longs et roux, et que Captain America n'a plus de barbe. Ce qui laisse suggérer que le trailer a beau durer 2 minutes, il y aurait en fait plusieurs années. Mais je vais y revenir, j'ai une grosse hypothèse à ce sujet, ça vaut le coup. Pour continuer, il y a une autre phrase que j'ai trouvée intéressante qu'il dit à tout le monde d'avancer, certains le font, mais pas nous. Moi personnellement, voilà comme je le comprends. En gros, lui qui essaye de remonter le moral des survivants leur demande de continuer à vivre. Dans TV Spot, on a pu voir qu'il assistait à des réunions pour survivants. Sauf que du côté des Avengers, eh ben non, il faut trouver une solution. Il persévère sur un moyen de revenir en arrière et donc de faire revenir tout le monde. D'où le fait que n'avance pas. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Ensuite, il y a un plan que je trouve intéressant car on y retrouve Ant-Man, soit Scott Lang. Il semble un peu déboussolé, mais surtout, il tombe sur un poteau avec plein d'affiches de disparus. L'hypothèse, c'est qu'à ce moment-là, il revient à l'instant du monde quantique et qu'il ignore encore que la moitié de la population a été décimée par Thanos. Et au vu du cadre et du décor, on peut supposer que ça fait déjà quelques temps que l'événement a eu lieu. Le quartier semble abandonné, ça se ressent à l'état des poubelles, du sol non nettoyé, etc. Alors peut-être qu'il est juste devant la mauvaise maison qui, comme par hasard, est abandonnée alors que les autres non. Mais j'opterai plutôt pour mon hypothèse. Scène qui confirme d'ailleurs une autre hypothèse hein, sur le fait que plusieurs années se sont écoulées. Mais encore une fois, on y reviendra, je vous assure, ça vaut le coup, c'est un peu le clou du spectacle. Pour en terminer avec Scott Lang, il est facile d'imaginer qu'une fois de retour, sa priorité hein, c'est de retrouver sa fille. Et surtout, bah, de savoir si elle est encore en vie. Rapidement, on voit ce qui semble être un Quinjet. J'ai omis l'hypothèse que ça pourrait être le vaisseau des gardiens, mais en fait j'ai beau regarder, j'en ai pas l'impression. La scène suivante mérite par contre que l'on s'y penche.
Visiblement, Hawkeye ainsi que Black Widow vont aller dans une infrastructure probablement souterraine. Ça fait un peu tunnel avec des câbles, etc. À moins que ce soit un vaisseau, c'est aussi possible. Quoi qu'il en soit, une des hypothèses que j'ai souvent vues à ce sujet et sur laquelle je suis en partie d'accord, est s'ils s'y rendaient dans l'espoir de trouver une pierre de l'infini. Genre c'est l'ancienne base du Shield où était entreposé le Tesseract, ou un autre truc du genre, hein, possible. A noter en tout cas que quand Clint court, il est seul, alors qu'on sait que Black Widow a été un moment avec lui. Alors c'est clairement trop tôt pour dire elle est morte, hein, mais c'est une absence intéressante. On continue avec une image de Rocket aux côtés de War Machine, qui a bien une nouvelle armure, ça on le sait. Elle paraît ultra destroy, et franchement vous me direz ce que vous en pensez, mais il fait carrément méchant là comme ça. Par contre niveau information que ça nous apporte, bah j'avoue que j'en ai pas grand chose à dire. Bref, ensuite c'est encore une fois un enchaînement d'images vraiment stylé, mais dans l'ensemble j'ai pas grand chose à rajouter. La scène de Thor est par contre intrigante car elle ressemble beaucoup à celle d'Infinity War. Peut-être qu'ils vont refaire la scène, mais c'est aussi peut-être une coïncidence. En tout cas, Nebula est grave vénère, et là-dessus j'ai deux hypothèses. Soit cette scène a lieu sur Titan, au moment où elle découvre que Thanos a réussi et que les autres ont disparu. Alors je sais pas sur qui elle veut frapper, mais en tout cas elle est énervée, c'est crédible. Soit cette scène prend place au même endroit où Captain America resserre son bouclier. Le problème c'est que j'arrive pas vraiment à dire où. J'ai tout de même une hypothèse, mais ça fait partie encore une fois de la théorie de fin. Désolé pour le teasing. Sinon, quand Black Widow s'entraîne au tir, on peut aussi noter qu'elle a toujours les cheveux blancs, c'est un détail important, mais ils sont déjà plus longs que lors d'Infinity War. Ce qui veut dire qu'il y a un certain temps qui s'est déroulé, mais pas trop non plus. On peut aussi rapidement apercevoir Ant-Man en version miniature essayer de s'échapper d'un lieu où tout explose, avec ce fameux crayon. On continue sur une scène qui par contre m'a fait bondir de ma chaise, hein, vous l'avez sûrement vu dans ma vidéo réaction, celle où tous les Vengeurs survivants marchent dans le hall avec leurs costumes blancs. Et ils sont tous là. Captain America, Nebula, Ronin, Ant-Man, War Machine, Black Widow et Iron Man. Seuls Thor et Rocket ainsi que Captain Marvel sont absents. Alors Rocket, peut-être qu'il est simplement trop petit et qu'on ne le voit pas à la caméra, c'est possible. Par contre, les deux autres, c'est vrai que c'est intéressant de ne pas les trouver. Après, n'oublions pas qu'il n'est pas impossible que juste le trailer ne nous les montre pas. Bref, le classique logo Avengers Endgame qui se reforme avec une bonne musique pour bien foutre de gros frissons. Et ensuite, elle, je m'y attendais, une apparition de Captain Marvel, et surtout sa rencontre avec Thor. Il essaye de l'intimider en faisant venir Stormbreaker, mais alors elle, pas un seul mouvement, pas un clignement d'œil. Faut dire qu'elle en a vu des bien pires. C'est en gros une scène qui prend place après la post-crédit de Captain Marvel, quand elle débarque, et qu'on la présente au reste de l'équipe. Même si entre temps, elle a visiblement changé de costume. Et c'est donc là qu'on arrive à l'hypothèse que j'ai envie de vous partager depuis le début. Voilà comment moi, je pense que tout cela se recoupe. Thanos vient de claquer des doigts. La moitié de la population est disparue et Captain Marvel se joint aux Vengeurs. À ce moment-là, en dehors de s'attaquer à Thanos, bah y a pas grand-chose à faire. Du coup, notre fine équipe va s'équiper et partir dans l'espace, retrouver le Titan fou et possiblement le tuer. Aussi simplement que ça en vrai. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que je vous dis, j'ai fait une autre vidéo en haut à droite qui explique un peu tout. En tout cas, la scène où l'on voit Nebula ultra vénère et Captain America dans un sale état, peut-être que ça se passe à ce moment-là justement, sur la planète où Thanos est parti en retraite. Et si ce décor très dévasté, c'était dû aux gants en fait. Je veux dire, quand Thanos se va se faire attaquer, il suffit qu'il fasse un petit claquement et ça a une sale gueule. Alors peut-être que je pars extrêmement loin, c'est même fort probable, mais reste que c'est possible. Quoi qu'il en soit, pour X raisons, qu'ils y arrivent ou non, bah ça change pas grand chose. En vrai, que Thanos soit mort ou non, bah la moitié de la population est toujours disparue. Et c'est là où plusieurs années vont se passer. Pour moi, il n'existe pas de solution, à première vue en tout cas. Jusqu'au moment où Scott Lang va revenir du monde quantique et c'est là qu'il va leur apporter ce qui semble être une alternative. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein, mais en tout cas, ça relie tous les points abordés précédemment. Dès le claquement, ils vont essayer de se venger, ça ne marche pas, et après, bah, ils abandonnent un peu pendant quelques temps. Jusqu'au moment où Scott Lang revient, et que là, ils trouvent une solution. Alors après, Ant-Man va-t-il leur proposer de retourner dans le passé ou de voyager dans les dimensions? Ça, j'avoue, je ne sais pas trop. Même si le coup des dimensions, j'y crois carrément moins maintenant. Mais je pense en tout cas que le film se déroulera bel et bien en plusieurs parties, ça me semble évident. Et l'une d'entre elles sera entrecoupée de plusieurs années. Vous me direz ce que vous en pensez vous en commentaire de cette théorie. Tout ça pour dire que ce que je supposais il y a quelques mois comme quoi le film commencerait directement 5 ans après, ce serait faux. Par ailleurs, il y aura effectivement une pause de 5 ans pendant le film. Alors 5 ans peut-être pas, mais en tout cas quelques années. Il y a par contre un autre point qui m'interroge, les costumes blancs. Ce que j'aimerais c'est qu'il s'agisse d'un costume pour accéder au monde quantique, et possiblement traverser les époques. Mais si au final c'était bien plus bête et que c'était juste un moyen d'aller dans l'espace, en vrai. Parce que Thor, Rocket, Nebula, etc. ils en ont pas vraiment besoin, ils ont leur propre costume ou ils arrivent à survivre dans l'espace. Mais Black Widow, Hawkeye, etc., bah non. Et donc il leur faudra bel et bien un costume pour aller dans l'espace justement. Décidément, ce trailer pose tout autant de questions que de réponses, c'est chaud. Par ailleurs, le coup de l'espace, bah j'y crois moins, et pourquoi? Et bien en fait, si on en suit ma théorie sur les deux périodes, cela veut dire que la seconde, c'est quand Ant-Man débarque. Soit sûrement plusieurs années après le claquement, ce qui explique les changements de coiffure, les maisons abandonnées, etc. Alors qu'ils iront dans l'espace probablement bien avant, puisque Captain Marvel débarque genre 2-3 jours après.
Pour terminer, regardons du côté de l'affiche dorénavant, car elle aussi, à mon avis, est intéressante. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde regarde vers la gauche, sauf deux persos, Okoye et Thor. Et à mon avis, c'est pas possible pour que ce soit une coïncidence, hein, c'est pas le genre de Marvel. À mon humble avis, c'est un moyen de teaser le voyage dans le temps. Comme s'il fallait regarder vers le passé pour trouver la solution. Mais alors pourquoi Thor et Okoye sont-ils dissidents, c'est la bonne question. Peut-être que simplement, eux l'idée, bah ils l'aiment pas. Ou en tout cas qu'ils ne sont pas d'accord avec les autres. Quant à Okoye, je dirais que c'est encore un peu particulier, car elle est triste et elle regarde vers le sol, un peu une manière de faire référence à Black Panther disparu. Ah, décidément, j'ai vraiment trop hâte, il y a tellement de choses à dire, de suppositions à avoir, c'est fou. Rappelons quand même qu'il s'agit d'un trailer et que Marvel est fort pour nous induire en erreur, certaines scènes ne sont peut-être même pas présentes. Et la foi, c'est ça qui est cool. Bref, c'est tout pour moi niveau analyse de ce trailer, mais je compte sur vous pour lâcher un max de pouces bleus pour cette bonne surprise, et à surtout me faire vos théories en commentaire. Pense à t'abonner pour être tenu au courant de l'actualité au quotidien, et à très vite. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.